Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour le défi de la page de Evensy Scrap, donc de Bérangère, qui nous demandait d'envoyer à... Alors je colle en même temps, comme ça je gagne un petit peu de temps. À notre binôme, on avait un binôme et il fallait qu'on envoie un kit pour faire un marque-page. Donc moi j'ai reçu un kit de Bérangère, des créatures de bébés. Donc elle m'a envoyé du papier, enfin bon, tout un tas d'embellissements, un sentiment. Et donc je suis en train de faire le tag. Si ça veut descendre. Donc là, je colle les deux papiers ensemble. Voilà, je suis partie sur cette idée-là. Voilà. Donc, je vais commencer par ça déjà. Nous avons déjà ça. J'ai collé les deux papiers ensemble. Ensuite, je vais faire le trou pour alors, faut vraiment que je range ma desserte parce que plus ça va, plus c'est le bazar. Hop. Donc, je vais faire le trou pour mettre l'œillet qu'elle m'a donné. Peut-être l'autre. Voilà. Donc j'ai l'œillet dans les mains. Tout est c'est du direct, hein. Il n'y a pas de voilà, j'ai mis l'œillet, hop. J'essaie de ranger en même temps, au fur et à mesure, pour ne pas en avoir de trop sur la table, parce que je vous dis pas quand je scrape, c'est un peu le bazar. Donc voilà, donc j'ai déjà mis l'œillet, voilà. Ensuite, je réfléchis en même temps. Je pense que je vais mettre un morceau. J'ai envie de mettre un morceau comme ceci. Que ça va marcher si je fais ça. Je vais faire gentil, mais ça marche pas. Bon, c'est pas grave. J'avais envie de mettre ça juste comme ça.
Je sais pas, j'ai fait au feeling. Alors, je sais pas si c'était ce qu'elle avait dans son esprit. C'est vrai qu'on se fait toujours, même moi, hein, j'avais dans l'esprit de faire le tag que je vais envoyer avec mon kit d'une certaine façon. Mais est-ce que la personne aura le même esprit que nous? C'est toujours très compliqué. Donc, voilà, je suis déjà là. Je présente. J'ai ma petite bonne femme là. J'ai envie de la mettre là. Je la mets comme ça. Je vais recouper. Donc, je vais prendre un reste de tissu ici. J'ai vu que j'avais du ruban et une pince. Je vais l'utiliser. Je vais plier ce morceau de papier. Je prends un petit morceau de ruban. Alors, je vais prendre de plus haut. J'essaie de récupérer mon ruban. Voilà. Je voudrais le tourner comme ça. Voilà. Esprit, c'était de faire un petit éventail comme ceci. Je vais faire une boucle. Je vais pas y arriver. Voilà. Donc, je mets en forme mon petit éventail. Donc, je repositionne l'affaire parce que ça a bougé. Donc, j'ai dit, toi, tu vas là. Toi, tu vas comme ça. Toi, la pin-up, je vais la mettre un peu plus basse. Je vais mettre
l'éventail comme ceci. J'ai envie d'y mettre à l'éventail, je vais y mettre une fleur là, que je vais certainement coller comme ceci. Voilà. Je présente hein, simplement. J'espère que vous voyez bien. Je suis... Hop. Donc ça donne à peu près comme ceci. De me rapprocher un petit peu. Hop. J'essaie de vous rapprocher et du coup, bon, je vais commencer à coller. Ça, vous allez mieux voir. Donc, je vais coller mon tissu ici. Hop, je savais que j'avais... En même temps, j'ai fait la recharge. Voilà, donc on obtient ceci. Je vais coller mon petit éventail, vous voyez. Plus là. Voilà. Donc on obtient ceci. J'ai envie d'y mettre une petite fleur. Ceci. Voilà. Donc, je vais essayer de le coller là. Voilà. Donc, on obtient ceci. Je vais mettre la petite bonne femme. Je vais remettre de la colle. J'ai une autre fleur ici que j'ai envie de mettre là. Donc, celle-ci, je vais mettre là.
on obtient ceci. Si je fais un truc comme ça. J'ai envie de tenter un truc. Je vais coller le vernis sur la pince. Du coup, hop. Je vais y mettre son deuxième pot de vernis. Par ici. Qu'on obtient ça. Je vais mettre les petites fleurs ici. Voilà. Qu'est-ce qui nous... Ah, j'ai encore une petite fleur ici. Bah, ça tombe bien, je vais la mettre par là. J'ai envie de faire l'étiquette du métal. C'est que j'aime cette étiquette. Je vais peut-être le mettre comme ça. Et il me reste, donc, je vais vous faire voir quand même de plus près. Voilà, le petit tag. Il me reste de la ficelle là et les petites perles. Alors, attendez, je suis en train de voir, est-ce que je vais pouvoir rentrer les petites perles dans le... J'essaie de voir si je peux rentrer le ruban dans les petites perles. Ah, je crois que ça ne va pas rentrer. J'avais pourtant l'idée de les faire rentrer. Ça m'aurait bien plu.
Et voilà. Et voilà, le petit tag fini. Donc j'ai tout mis. J'ai mis les petites perles en haut sur la ficelle. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère avoir relevé le défi de Bérangère avec le kit. Oups là. Le kit. Bébé, tu me diras ce que tu en penses. J'espère avoir relevé le défi. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Scrapez bien. Bye bye.